va. Vraiment, on se retrouve pour un vlog. Là, je vais vraiment vous emmener avec moi toute la journée. J'ai hyper soif. En fait, je vais être toute seule aujourd'hui et j'ai envie de faire plein de trucs toute seule. Et du coup, j'avais envie de vous emmener avec moi. Là, franchement, j'ai un petit déjeuner. Ne me jugez pas. Des muffins, du chocolat noir. J'aime trop le pain et chocolat noir, ok? Genre, je mange que ça en fait. Je sais pas trop comment ça va se passer cette journée. J'ai pris juste une place hier pour la Fondation Cartier à 15h30. Mais avant, j'aimerais bien aller au parc, j'aimerais bien faire un pique-nique. C'est vraiment bon, hein? On va croire. Du coup, ce matin, je vais aller faire les courses, ce que vous en pensez. Maintenant, je vais plus avoir besoin de vous filmer avec mon téléphone. Et là du coup je vous filme avec une nouvelle caméra. Du coup c'est le Canon G7X. Merci à toi. Je lui donne un prénom. Me voici dans ma cuisine. Alors là, ma cuisine est très bien rangée. Sachez que ce n'est jamais comme ça. Étant donné qu'on est dans une vidéo un peu take care, on va prendre soin de nous, soin de moi surtout. J'ai pris un masque, je ne fais jamais de masque. Vraiment, je n'ai jamais fait un masque de ma vie. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps. Je vais donc faire mes petits sandwichs et tout. Et puis après, on va partir manger. Et on va au parc Montsouris. On va passer une trop bonne journée. Vraiment, je suis trop contente. Bisous. Let's go. Regardez la gueule de mon drap. J'allais pas emmener un énorme drap alors que je suis toute seule. Qui fait ça, personne? Ouh là, il y a une guêpe. Ouh, ça commence. Ici, on est bien là. J'enlève mes chaussures, je me mets à l'aise. Pendant que j'attendais le bus, il y a une dame qui a commencé à me parler. Elle était trop mimi. Oh, il y a quelqu'un qui fait du yoga. Ce livre, c'est Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounelle. Et en gros, ça parle d'un mec. Je vous spoil pas parce que ça commence comme ça. Un mec qui a deux doigts de se suicider. Super. Et en fait, il rencontre un homme qui va lui faire changer d'avis. En gros, ça raconte l'histoire de cet homme qui va être lié à la vie d'un autre homme. Parce que l'autre homme, du coup, lui aura sauvé la vie. Genre, moi, personnellement, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Il y a un truc qui est vraiment bien. Je sais pas, ça, moi ça m'a motivée. Alors il faut savoir que je lis très très peu. Je l'ai commencé, je crois, il y a 3 semaines. Du coup, je suis plutôt contente. Mes écouteurs se sont cassés. En gros, vraiment, ils étaient impossibles à utiliser. Et du coup, étant donné que normalement, dans le métro, eh ben, j'écoutais de la musique, et eh ben, ça fait 3 semaines que je lis du coup dans le métro maintenant. Ou sinon, je ne fais rien. Mais bon, maintenant je lis. Et ça change la vie, hein. J'ai fini le livre, je suis sous le choc. Je m'attendais pas à ça, c'était prévisible, mais je m'attendais pas à ça en fait. J'ai trop trop aimé, je suis contente de pouvoir enfin commencer un nouveau livre. Là je vais pas tarder à partir parce que j'ai 25 minutes de marche du coup pour aller à la Fondation Cartier. Et voilà, et j'aimerais bien prendre des photos aussi en même temps. Bref, bisous. Écoutez, je suis rentrée chez moi. J'ai dû vous recharger parce que vous n'aviez plus du tout de batterie. Je suis exténuée. Je suis allée à l'expo de Damien Hirst qui m'a coûté 7,50€. Est-ce qu'elle vaut le prix ?
En plus, j'avais tarif réduit parce que je suis étudiante et jeune. 11 euros. 11 euros plein tarif. Pardon. En vrai, c'était vraiment bien. Il y avait 29-30 tableaux qui étaient vraiment des très gros tableaux qui étaient très impressionnants. C'était très contemplatif en fait. Vous avez à l'entrée ce petit truc là qui est très beau. Il y a des grandes images comme ça que je vais clairement déchirer pour les mettre dans ma chambre. Et il est bien, il explique pas mal de choses. Il explique du coup l'évolution de ses projets. Comme je l'ai dit, c'est très esthétique, c'est très contemplatif. J'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, etc. Mais c'est vrai que moi, Damien Nurst, je préfère plutôt ses travaux de sculpture. Quand il travaille la sculpture, je trouve ça hyper intéressant. Là, bah, c'était plus contemplatif, plus esthétique. C'était rapide. Tu regardes tous les petits détails et tout. Mais c'est vrai que t'as 30 tableaux qui sont hyper grands, qui sont vraiment magnifiques. Mais bon, là c'est vrai que c'est que des tableaux de cerisier faits en pointillisme, d'action painting en fait. Tu vois, moi j'aurais bien aimé voir par exemple une vidéo qui montre comment il a travaillé. J'aurais bien aimé voir est-ce qu'il commence par le fond, ensuite il fait les branches, est-ce qu'après il fait les points, un petit peu le background quoi, tu vois. Genre le seul background qu'on a c'est une photo de lui comme ça. Bon ma foi, c'est cool tu vois. Après bon c'est facile de critiquer. Donc regardez, attendez, regardez là. En vrai là, c'est fou tout ce qu'il utilise comme peinture. Le bug, il a de l'argent. Hein. La Fondation Cartier, c'est trop beau. Le cadre est vraiment très sympa. Et ensuite, je suis rentrée à pied. Je devais rentrer en métro, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas très très loin. J'ai continué un peu à faire des photos, parce que j'ai essayé de prendre quelques photos que je vais aller retoucher pour vous raconter un peu ma vie. Depuis que j'ai cet appareil, en fait, j'ai fait des photos de Nicolas. Et en fait, j'ai trop trop aimé faire des photos et j'ai trop aimé les retoucher. J'ai trop aimé voir le résultat final. Après ça, du coup, je me suis dit, mais je veux trop continuer à en faire. Et je pense que quand j'en aimerais bien, j'aimerais les mettre sur mon Twitter. Parce que j'ai pas envie de les mettre sur Insta. Insta, ça défonce la qualité. Pourquoi? Si vous voulez me suivre sur Twitter, sachez que sur Twitter, c'est Alice Nouille. Donc si vous avez envie de me suivre et de savoir un peu ce que je pense, ou je raconte des conneries aussi, mais je suis pas mal active quand même sur Twitter. Je kiffe vraiment ce réseau. En tout cas, de 18h jusqu'à 20h, je vais aller me poser devant l'ordi, regarder les photos que j'ai faites, les retoucher. Aussi, je pense dessiner, parce que j'ai plein d'idées d'illustrations. Parce que oui, peut-être, j'ai envie de me faire une boutique en ligne. Est-ce que je l'ai dit là? Sachez que c'est un rêve, d'accord, pour moi. Quand j'ai fait mon concours de sérigraphie, déjà, j'étais trop contente de pouvoir offrir des sérigraphies, que ça puisse plaire. C'était incroyable. Pour vous dire la vérité, ça fait très longtemps que je me dis que mon rêve, ce serait d'ouvrir une boutique en ligne, de pouvoir vendre des prints, des dessins que je kiffe. C'est réellement un rêve. Du coup, là, l'idée, c'est de dessiner pendant tout l'été. Parce que là, vraiment, je commence réellement à faire des illustrations qui me plaisent complètement, intégralement, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Et du coup là vraiment faire des illustrations, en faire vraiment, en faire, les publier, et à la fin peut-être essayer d'ouvrir une boutique, ce serait incroyable. Vraiment mon rêve, je sais que c'est dans ma liste de choses à faire avant de mourir, mais juste ça prend du temps parce que j'ai pas envie de précipiter les choses. J'ai envie vraiment de me chercher, de me trouver, parce que là je suis en train de me chercher. Actuellement à l'heure où je vous parle, j'ai sorti deux illustrations qui me plaisent vraiment. C'est que vous là, toi là, toi derrière la caméra, c'est toi qui potentiellement est intéressé par ça. Si t'es pas intéressé, faut me le dire maintenant. Parce que... Et en plus, j'ai plein de projets qui sont dans ma tête, qui sont en train de commencer. J'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire avec vous. Si vous aimez tout ça, vous pouvez me suivre sur ces réseaux-là. Avec plaisir qu'on puisse parler, franchement. Parce que vous êtes trop sympa, je vous kiffe trop. Cette année-là, cette prochaine année à partir de septembre, ça va être trop bien. Je sais pas, je le sens. Je vous retrouve de toute façon après. Parce qu'après... Chit-chat masque. Vraiment la qualité de cette caméra, je n'en reviens pas. Il est 20h23. J'ai pas du tout terminé mon illustration et j'ai la flemme. Surtout, j'ai faim en fait. Allez, je me fais des pâtes au saumon. Si vous voulez des vlogs de bouffe, c'est pas ici qu'il faut être. Parce que je mange vraiment des choses très simples. Let's go, Alice au fourneau. C'est parti. Ah tiens, j'ai envie de danser. Oh,
deuxième chanson que j'écoute tout le temps en ce moment. Désolée, mais voilà. J'ai chaud, extrêmement chaud même. Il commence à faire nuit. Ah, mais si on ferait pas mon masque, on va faire le masque. Mais là, j'ai regardé une vidéo de Jonathan Bertin et franchement, trop inspirant. Ce mec est énormément inspirant. Et j'ai regardé aussi une vidéo complètement différente de Ici Ami Plante. Elle a essayé de hacker son propre ordi pour pouvoir rentrer dans sa cam et dans son micro de son ordi. C'était trop intéressant. Franchement, c'était trop bien. Donc bref, on va faire le masque. Comment ça marche, ces conneries? Le teint est frais et lumineux. I hope so. J'enlève mes lunettes. Je vous vois plus. Comment je fais, là? Ça sent trop bon. Je ressemble à un pouf. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente de pouvoir revenir avec cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir revenir tranquillement sur YouTube. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait trop du bien. J'ai passé une trop bonne journée. Ah, je me vois un peu dans le retour là. C'est beaucoup trop drôle. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de me suivre. Vous êtes trop des amours. Je vous aime trop. Bisous. Ciao. Portez-vous bien. Et moi aussi, je vais me porter bien là. Je vais enlever ça.